Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, et la partie civile, Princilia Pembe, viennent au tribunal solliciter la condamnation de la partie prévenue, Avenel Membo Mafuta, pour viol d'enfant. Une affaire qui remonte au mois de janvier 2023. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete, Princilia Pembe, 15 ans, avait croisé la route de Avenel Membo, partie prévenue, le soir du 28 janvier 2023, alors qu'elle se rendait au marché pour acheter de l'huile au quartier Bambila, dans la commune de Mongafula. Le prévenu aurait menacé la victime avant d'abuser d'elle. L'audience commence. Le tribunal convie à la barre la sœur de la victime comme renseignante pour une confrontation. Le tribunal accorde ensuite la parole au prévenu Avenel Membo pour sa version des faits. Le tribunal invite les parties à plaider. Les avocats de la partie civile, Princilia Pembe, réclament 50 000 dollars américains de dommages et intérêts pour tout préjudice subi par la victime. Ils évoquent l'article 151 de la loi relative à la protection de l'enfant et brandissent la preuve du rapport médico-légal qui aurait attesté qu'il y aurait acte de viol. Nous ne sommes pas partie civile. Nous venons auprès de votre tribunal réclamant des dommages et intérêts parce qu'il y a eu des préjudices et qu'il y a eu viol de l'enfant parce qu'il y a eu la loi portant sur la protection de l'enfant à son article 171 dit ceci. Il faut que l'élément matériel est l'élément moral. Quant à l'élément matériel, il faut qu'il y ait l'imposition
d'un organe sexuel d'un homme à l'âge, à celui d'âge de moins de 18 ans. Donc, il y a une viol. L'élément matériel est établi. Pourquoi je parle de l'élément matériel est établi? Pour parler de l'infraction de viol d'enfant, selon l'article, selon l'auteur Zizungu, de son ouvrage, des infractions de âge, page 761, dit ceci. La déclaration de la victime ne serait pas suffisante pour confirmer l'infraction de viol. Mais il faut qu'il y ait un rapport médical confirmant l'infraction de viol. En tout cas, pour l'élément matériel, il y a des preuves. Il y a des preuves. Vous trouvez dans les dossiers physiques qui, dans les conditions, il y a même les rapports médicaux. Je vous dis ici que l'enfant est défloré. Défloration récente. Donc, l'élément matériel est établi. Donc, le tribunal, votre office tribunal, dira que l'élément matériel est établi. L'infraction de l'élément matériel est établi. Nous sollicitons auprès de vous une modique somme de 50 000 dollars équivalent en francs congolais pour des dommages et intérêts. Le tribunal donne ensuite la parole au ministère public. L'organe de la loi demande au tribunal de dire, établi en fait comme en droit l'infraction de viol d'enfant et sollicite 15 ans de servitude pénale principale pour le prévenu et au paiement d'1 million de francs congolais d'amende. La victime, dans ses déclarations devant l'OPJ, tout comme au parquet et ici, suivant la longue instruction faite par le tribunal parce que le dossier a été longuement instruit. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie des débats. La victime est restée constante dans ses déclarations, déterminant que ce l'inculpé ici présent ou les prévenus ici présents qui avaient introduit son organe sexuel dans celui de la victime. Que l'OPJ qui avait instruit le dossier avait fait correctement son travail parce qu'après avoir reçu les éléments d'accusation, il a procédé par amener la victime dans un centre hospitalier où le médecin pouvait constater effectivement s'il y en avait ou pas les éléments d'infraction mis à charge du prévenu. Au stade de l'hôpital, vous avez les rapports médico-légaux, il est clairement établi que la victime a été bel et bien touchée sexuellement par le prévenu. Que l'expertise médico-légale étant le mode de preuve par excellence en matière de viol, et surtout que la victime confirme avec précision que c'est le prévenu qui est la personne qui a attenté à son intimité sexuelle et qu'au cours même de l'instruction, les éléments de l'instruction rattache le prévenu à la victime et au fait, à telle enseigne qu'il a été même démontré ou expliqué par les renseignants ou les renseignantes que vous avez fait défiler devant vous, qui ont clairement dit que c'est à ce moment-là, après avoir appris que la victime est en train de pleurer quelque part, qui se sont rendus à cet endroit, ils ont trouvé la victime et aussitôt retrouvé, aussitôt amené à la police, et que ce, le matin, que l'examen a été fait, et surtout, que la victime, après avoir indiqué la personne, la police y est descendue et a mis la main sur la personne, sur le lieu de crime, vous allez comprendre qu'il y a un rapprochement entre la victime et son bourreau. Vous allez dire, établir en fait comment on voit l'infraction des viols commis sur l'enfant mineur. Et vous allez condamner les prévenus qui se devant à 15 ans de cette pénale principale
et à une amende de 1 million de francs congolais. S'agissant des intérêts civils, le tribunal va les apprécier de manière juste et équitable. Et si, Monsieur le Président, vous tiendrez compte de notre histoire et que vous allez faire droit à nos propos de tout à l'heure, le monde saura que la justice fonctionne dans ce pays. Le tribunal accorde la parole à la partie prévenue, Avenel Membo. Pour les avocats du prévenu, les preuves du viol présentées lors de la phase préjuridictionnelle, notamment le pagne et les sous-vêtements de la victime, ne sont pas concordantes ni suffisantes pour relever l'élément matériel de la prévention de viol. Ils contestent le rapport médico-légal qui, selon eux, aurait été établi dans une formation médicale privée en lieu et place d'un hôpital public agréé. Ils demandent l'acquittement de leurs clients. Et les prévenus parlent devant votre guise tribunal, ici, vous révèle que je n'ai jamais été en contact sexuel, passé une conjonction sexuelle avec la victime, M. Avenel Maputa et Mme Priscilla. Ils ne se sont jamais consentis pour passer à une quelconque conjonction sexuelle dont la partie victime prétend faire emballer votre conviction, qui n'a jamais eu de l'intromission de son organe dans celui de cette demoiselle. Et à ce sujet, votre honneur, puisque au moment venu, nous allons tout vous déposer. La doctrine abondante et même de jurisprudence que le tribunal avait reconnu qu'à défaut d'admission de la preuve, le juge doit conclure à l'acquittement. Nous sommes sur l'élément matériel. Et vous allez vous rendre compte ici, à propos de l'élément matériel, votre honneur, la victime elle-même nous a cité un pagne et un caleçon, puisqu'il s'agissait de viol, et que ces deux éléments matériels auraient des indices même sérieux pour ramener le juge à une conviction. Et à ce jour, lisant toutes les différentes notes d'audience ici, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun élément, qu'il soit sur l'épargne ou sur un caleçon, dont prétend dire. Vous avez posé toutes les questions possibles pour qu'on nous dise à propos d'un pagne qui a des sangs et d'un caleçon. Il n'y en a pas. Ni la victime, ni l'OPJ, ni les procureurs, puisque la partie a prétendu dire à propos des éléments matériels qu'il s'agissait d'un dossier du ministère public. Nous allons vous dire que même ici, le ministère public vous présentait les prévenus. Depuis la première audience, a eu beaucoup de difficultés parce qu'il n'a que la requête aux fins de fixation. C'est le seul élément que le ministère public est en train de présenter par votre guise tribunal comme preuve matérielle. Il n'y en a pas. Nous allons y revenir sur les rapports médicaux. Et il n'y en a pas. Il n'y a ni panne dans ton site, ni caleçon. Le premier jour, votre honneur, toujours sur l'élément matériel, dont on prétend faire croire au tribunal, il s'agissait d'un centre de santé privé. Généralement, la loi avait autorisé à ce que les médecins soient un médecin agréé par l'État. Et ce médecin devrait attester à propos de l'infraction de viol. Et le prétendu rapport, le premier rapport qui joue au dossier, sur un quelconque centre de santé qu'ils auraient saisi. Ce rapport-là n'est même pas pris en compte, c'est à rejeter. Et puisqu'il y a les doutes eux-mêmes, des divergences, des témoignages ici, entre la victime, la maman et sa sœur biologique, les juges, vous qui êtes juge, votre vice-tribunal, que nous louons, aguerri en la matière, votre honneur, il va plaire à votre vice-tribunal de conclure à l'acquittement pire et simple du prévenu. Le tribunal donne en dernier lieu la parole au prévenu. Avenel Membo clame son innocence et sollicite son acquittement. Il est innocent, il n'a rien estime
il est suffisamment éclairé, clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour son jugement dans le délai légal.